Bon, cette vidéo-là, c'est pour une démonstration de lecture d'accéléromètre avec un Arduino. Pour ça, j'ai pris un nunchuck de Wii avec un petit Arduino qui est là. Puis j'envoie ça dans mon PC, je roule ça avec Processing. Fait que là, si je prends mon... ce que je suis juste ici, là j'ai mon nunchuck. Fait que là, on va torser ma souris. OK. Bon, je suis là. Fait que là, avec les accéléromètres, là, la lecture est comme complètement instable. Là, j'ai mis un low pass filter d'un quart de seconde. Là, ça l'a stabilisé, mais vraiment, il y a un gros lag dans l'air. On voit vraiment le lag, là. C'est vraiment pas rapide. Fait que ça, c'est le premier step. Mon deuxième step, là, j'ai acheté un MPU 6050 qui est trois accéléromètres avec trois gyros qui devraient permettre d'avoir une lecture beaucoup plus rapide et plus stable. Et puis, j'ai aussi acheté MPU 9150, qui est 9 degrés de liberté dans ce cas-là. 3 accéléromètres, 3 gyros, plus 3 magnétomètres, qui devrait être vraiment l'application la plus intéressante, la plus performante, je devrais dire. Alors ici, on voit l'effet du low-pass filter sur le roll, filtré, non filtré, avec un fil de 100 millisecondes. Là, c'est quand je bouge la manette, là. L'effet est immédiat. Même affaire avec le pitch. Qui est vraiment trop noisy si on ne met pas le low pass filter de 100 millisecondes. Pitch. On va même faire en haut. Pitch.